à ce que le mois de juin soit le mois de l'ALS, la maladie neurodégénérative des motoneurones de l'adulte, SLA, dans la province. Nous enrichissons les personnes par leur engagement. Il y a ces personnes qui travaillent de façon quotidienne dans nos communautés. Ce sont les bénévoles qui permettent d'enrichir la vie des résidents. Et aussi plus loin, la récompense de service va être remise. En 1986, ce programme a été lancé et cette récompense pour remercier les bénévoles qui donnent de leur temps de façon si généreuse. Un institut a été fondé en 1947 et un autre en 1992, le Lion Club, qui va avoir 60 ans. Le Collingwood, l'Armée du Salut, qui a maintenant 140 ans. Waseguebutch, Canadian Legion Branch, 165 ans le dernier mois. Le Centre de santé de Health Bay. To all those who will receive à toutes ces personnes qui vont recevoir une récompense des bénévoles le mois prochain. Je voudrais vous remercier de la part de Simcoe Gray. Nous voulons remercier tous les bénévoles dévoués. Nous remercions votre service qui ont rendu nos communautés plus fortes, plus résilientes et plus compassionnées. Merci encore à tous. La députée de Toronto Centre, merci beaucoup, Madame la Présidente. 6 ans après le gouvernement conservateur, nous n'avons toujours pas de stratégie pour faire face au racisme et la honte. C'est encore une autre faillite qui ternit ce qu'a fait le gouvernement. Il y avait aussi des problèmes de racisme derrière un podium. La semaine dernière, le Premier ministre a spéculé que ce sont les immigrants qui sont responsables des fusillades dans les écoles. Ceci est incroyable et les personnes qui font une enquête ont dû prendre de la distance par rapport aux commentaires du Premier ministre. Ils blâment la crise du logement à cause des étudiants internationaux. Et l'homme qui a tué des musulmans a été défini innocent. Il y a le directorat anti-racisme, il y a eu des commentaires sur les personnes qui sont contre le racisme, contre la discrimination, etc. L'Ontario ne peut pas combattre le racisme si le Premier ministre ne reconnaît pas qu'il existe. Nommer les problèmes est la première étape pour prendre le pouvoir. Je pense que tout le temps, ici, dans cette chambre, il y a cette haine qui nous divise, qui nous instille la crainte et qui nous empêche de développer des communautés fortes qui prennent soin les uns des autres. L'Ontario a besoin d'un plan global. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Orleans. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À Orleans et partout en Ontario, nous nous demandons si acheter une bière dans un magasin vaut 1 milliard de dollars. Les écoles ont besoin d'argent pour être réparées. Et le gouvernement ne dépense pas assez pour les étudiants depuis qu'ils ont été élus en 2018. 2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecin de famille. Imaginez qu'entre Windsor, London, Ottawa, Kingston et Guelph, les personnes n'ont pas de médecin. Mais il y a 1 milliard de dollars pour s'assurer que les bières soient vendues dans des magasins de convenance. Le gouvernement fait la même chose. Nous récupérons de plus en plus de dettes. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Si le gouvernement pouvait voir les permis d'alcool, il pourrait récupérer plus de 300 millions de dollars. En Saskatchewan, nous avons besoin d'argent pour fonder l'éducation et la santé. Le gouvernement refuse de suivre ces directions. De ce fait, je me demande qui va retirer des bénéfices aux dépens des infirmières, des étudiants et des autres.
La dette a été augmentée de plus de 100 milliards de dollars. C'est le plus par une sous-juridiction dans le monde. Merci. Autre déclaration du député. La députée de Haliburton. Il est important pour moi de parler de... Au Temple de la Renommée, nous reconnaissons les athlètes, les personnes qui ont apporté des contributions importantes à leur communauté. 2 personnes et 10 équipes ont reçu des récompenses. Ceci comprend les Red Wolves de Haliburton, qui sont les premiers nominés pour ces accomplissements exceptionnels. Les Red Wolves ont aidé les athlètes et les supporters à se connecter, que ce soit au niveau du bowling, du golf ou du curling. Ils étaient en compétition au niveau local, national et international. Depuis leur création en 1967, je voudrais reconnaître l'un des Red Wolves, qui est un héros, Kerry Crago, feu Kerry Crago, qui a était en compétition en 2006 au Manitoba et il a rapporté chez lui une médaille de bronze. Merci, Kerry, pour votre passion, vos dévouements envers notre communauté et parce que vous avez rendu votre ville de Kemen fière. Vous pouvez vous rendre sur le site web du Temple de la Renommée pour voir les noms. Vous pourrez voir comme notre comté travaille dur et encore plus dur. Déclaration des députés. Député de Mishikawa States Bay. C'est essentiel pour le reboisement dans le Nord. Elle fournit des millions de semis à nos forêts à chaque année. Malheureusement, elle est gravement menacée par la hausse marquée par les prix de production. La Maison verte fait face à des problèmes de revenus à cause, entre autres, de dépenses liées aux projets pendant la pandémie et l'augmentation des coûts opérationnels. La difficulté sont leur sommet. Avec la domination des grands fournisseurs comme PRT en Colombie-Britannique, rendant presque impossible pour les petits fournisseurs de faire compétition à ces multinationales. Monsieur le Président, il est profondément préoccupant que les petites entreprises comme la Maison verte se fassent emballer par des multinationales de d'autres provinces sans protection adéquate de la part de nos gouvernements. Les petits producteurs ne peuvent tout simplement pas survivre. Depuis l'ouverture de la Maison verte, le nombre de petits producteurs similaires est passé de 39 à seulement 8 dans la province. Une diminution alarmante qui nécessite notre attention immédiatement. L'absence des règlements pour protéger les petits fournisseurs est un problème. Par exemple, la Maison verte fournit 5 à 7 millions de semis à la forêt de Hearst, tandis que les entreprises comme Green First ne fournissent que 800 000 à un prix compétitif. Monsieur le Président, en réponse à ce défi, nous devons envisager des règlements pour assurer un marché plus équitable. Il est crucial que nous soutenions les petits producteurs comme la Maison verte pour assurer leur survie et la santé continue de nos forêts et des entreprises d'ici. J'appelle à tous mes collègues à se joindre à moi pour relever ce défi et soutenir nos fournisseurs locaux avec l'urgence qu'ils méritent. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Member statements, the member for Flamborough. Déclaration des députés. La députée de Flamborough-Glamour. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui pour reconnaître nos gouvernements et ses investissements à Hamilton. Le gouvernement a investi près de 2,5 millions de dollars pour construire plus de lits, des hospices pour les enfants, ce qui permettra aux familles d'obtenir des soins de fin de vie proches de chez eux dans ma ville de Hamilton. Les hôpitaux des enfants offriront des soins palliatifs pour les enfants qui subissent des maladies progressives qui limitent la vie. Madame la Présidente, cet hospice va ouvrir en 2026. Il y aura de nombreux services et aussi 10 chambres où les membres de la famille peuvent rester avec leurs enfants. Il y aura des programmes, des thérapies comme les mouvements, les massages, des divertissements et de la musique. Dans le budget de 2024, notre gouvernement ajoute 84
lits adultes et 12 lits pour les enfants, ce qui amène 740 lits en sus. Lorsque ces lits seront ouverts, le gouvernement de l'Ontario va investir jusqu'à 2 millions de dollars et plus de 2 millions de dollars au niveau des financements d'exploitation pour s'assurer du fonctionnement des hospices, de la fourniture de soins infirmiers et des autres services de fin de vie. Je suis tellement fière que notre gouvernement soit passé à l'action pour protéger les familles et leur apporter les besoins dont ils ont besoin proche de leur domicile. Camp Care Network, McMaster Children's Hospital, merci aussi d'avoir élargi d'autres maisons et des hospices. Merci d'avoir rendu tout cela possible. Merci. Déclaration du député, député de Hamilton West, Lancaster Dundas. Merci, Monsieur le Président. Vous savez que l'anniversaire du débarquement est le 6 juin. Tous les Canadiens devraient se rappeler que 14 000 soldats sont arrivés sur la plage du Hudo le 6 juin 1944. Ceci représentait une invasion alliée importante qui a permis la libération de l'Allemagne et de la France occupée. C'était un moment pivot dans la Deuxième Guerre mondiale. Ces campagnes avaient des coûts importants. Il y a eu plus de décès chez les Canadiens que dans toutes les autres. 5 000 sont décédés lors de ces batailles. Nous savons que ces hommes étaient courageux et nous leur devons énormément. Le nombre de vétérans qui se sont battus est moindre. Ils ont fait face aux difficultés. Ils ont fait face aux horreurs de la guerre. Nous voudrions célébrer cette personne qui a 104 ans, qui était un vétéran, qui a travaillé au niveau de l'armée de l'air, notre vétéran. L'ambassadeur français Howard Jacques Francis a fourni des récompenses militaires, les récompenses les plus élevées. Il y avait aussi le Lancaster Bomber. Les célébrations sont partout au Canada pour célébrer cette invasion du jour J. Et à Hamilton, vous pouvez vous rendre au musée de l'aviation avec ce bombardier Lancaster. Nous nous souvenons d'eux. Member statements. The member for Déclaration du député, député de Brantford-Graham. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui pour vous parler de l'excitation qui a touché Brantford-Graham récemment. Au cours de la fin de semaine passée, nous avons accueilli des nageurs de tout âge. L'ancienne piscine a fermé en 2020, alors que nous allons ouvrir une nouvelle piscine le 29 juin. Ces fins de semaine étaient fantastiques et nous pensons que la piscine sera ouverte toutes les fins de semaine jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. Nous avons aussi des centres communautaires qui permettent à tout le monde de se divertir à Brantford. Il y aura un jardin communautaire, un parc, des endroits où vous pouvez vous mettre à l'ombre et vous promener. Voici ce que nous pouvons accomplir ensemble quand les trois niveaux du gouvernement travaillent ensemble. Ceci a été financé par les gouvernements fédéraux, provinciaux et aussi par la ville de Brantford. Je suis fier de représenter le gouvernement qui se concentre sur des projets de divertissement comme celui-ci. Nous nous assurons que les personnes en Ontario aient de bonnes installations pour profiter de la vie et nous assurons ainsi que l'Ontario soit le meilleur endroit pour vivre, s'amuser, travailler et élever une famille. Déclaration des députés, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Nous allons avoir deux nouvelles écoles dans Whitby West grâce au ministre de l'Éducation, l'honorable Stephen Lecce. 30,5 millions de dollars, c'est ce qui va nous arriver dans notre école. Nous allons avoir plus de 6
nous allons avoir plus de 600 places pour les étudiants, 45 en garderie. Il y aura encore de l'argent qui arrivera pour les besoins des étudiants. Le 27 mai, le ministre de l'Éducation a annoncé des financements pour de nouvelles écoles et l'élargissement d'une école à Oshawa et Clarington. Il y aura donc près de 4000 places pour les étudiants et 94 pour les garderies. 39,5 millions de dollars est un investissement vraiment essentiel à Durham. Cela encouragera les enfants de Whisby et cela leur permettra d'aller dans une école exemplaire afin de réussir à l'avenir. Et cette école se rapproche de chez eux. Encore une fois, ceci aidera toutes les familles qui travaillent fort dans la région de Durham. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La députée de Kitchener-Southwest. Merci, Monsieur le Président. Samedi matin, je me suis rendu au Western Harbor Castle, un hôtel à Toronto. J'étais dans l'ascenseur, j'ai pris les escaliers, je me suis rendu tout en haut de l'immeuble, à 400 pieds, et j'étais au bord. J'étais attaché avec des harnais, mais cela vous met les nerfs en pelote de toute façon, puisque votre corps a envie de sauter quand vous êtes au bord quelque part. C'est ce que j'ai fait. Nous levions des fonds, une campagne de levée de fonds pour des enfants, pour une organisation non caritative. Il y a 5 chapitres, Toronto, Durham, Hamilton, Peel, par exemple. Cela permet à des enfants qui ont de moindres moyens de se mettre en relation avec des agents de police pour avoir des programmes de voile, de cuisine et autres. Ils pourront utiliser les installations. Donc j'étais vraiment enthousiaste de cette idée de police communautaire et au niveau de la prévention. Cela permet d'établir des liens entre la police et les enfants de la communauté. Merci à Jim Milligan qui ont travaillé très dur pour mettre en place ce programme. Et merci à tous les agents et les enfants qui ont participé samedi matin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Member statements. Déclaration de député. Encore une. Non, nous avons terminé. That concludes our member statements for this morning.